Merci, nous pouvons nous asseoir. Monsieur le gouverneur de province de vous, mon général, messieurs les membres du comité provincial de sécurité du Nord Kivu, monsieur le maire de la ville de Goma, mon colonel, messieurs les bourgmestres de la commune de Kasserine, mon colonel, messieurs les membres du comité territorial de sécurité de Nilagongo, monsieur le chef des groupements de mon église, mesdames et messieurs, distingués invités, à votre titre de qualité, tout protocole observé. Excellence, monsieur le gouverneur, mon général, c'est pour moi un grand honneur de vous recevoir dans ma juridiction dans le cadre de la remise en circulation de la route numéro 4 reliant la ville de Goma et le territoire de Nilagongo. En effet, l'endroit qu'on appelle communément Vision 2020, dont la route était trouée, que la population et les usagers de la route n'avaient pas la possibilité de traverser tous ces rondes de la ville de Goma et vice-versa. Il y a eu plusieurs cas d'accidents et de maladies virales qui s'attaquaient à la population. D'autres habitants avaient même abandonné leur maison à cause des inondations. La population avait surnommé cet endroit lac Kasivita à cause des inondations. Aujourd'hui, chose faite. Son Excellence le gouverneur des provinces du Nord Kivu, le lieutenant général Nina Konga Constant, vient de réaliser les travaux de drainage de cette route à la satisfaction des habitants de ma juridiction et de tous les usagers qui fréquentent cette route. Ainsi, au nom de toute la population de Nilagongo, nous disons merci. Merci à son Excellence, monsieur le gouverneur, pour la concrétisation de sa vision en laissant une infrastructure routière durable que nous avons l'obligation de sécuriser et de protéger pour l'intérêt public de l'État. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive le territoire de Nilagongo. Je vous remercie. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de Goma, monsieur l'administrateur du territoire de Nilagongo, monsieur le directeur général de l'entreprise NET, mesdames et messieurs les membres de la FEC Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs. C'était au cours du mois de juillet 2021 que j'étais ici pour lancer les travaux de réfection de cette route. Aujourd'hui, 3 mois après, me revoici à ce même endroit pour recevoir les ouvrages déjà réalisés sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui je réitère mes vibrants hommages. Grâce à sa volonté politique exprimée à travers la mise à disposition des fonds d'investissement aux provinces, ces ouvrages que nous recevons ce jour deviennent une réalité. Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements à toute la population du Nord Kivu
qui nous accompagne durant cette période d'état de siège. Je remercie également l'entreprise New Engineering Technology qui a exécuté en si peu de temps et avec les moyens mis à sa disposition afin de réaliser ce projet pour la ville de Goma et ses environs. Voilà que l'entreprise vient de nous réfectionner deux endroits qui étaient devenus un casse-tête pour la population de la ville et ses environs suite à la mauvaise canalisation des eaux de pluie et à la mauvaise gestion des déchets solides qui finissent par boucher les réseaux d'égouts et les collecteurs des eaux. La partie qui a été concernée par les travaux et qui a pris de la présente cérémonie est à cheval entre la ville de Goma et le territoire de Niragongo. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces ouvrages doivent être une fierté pour toutes les autorités locales ainsi que la population. C'est un effort essentiel à nos yeux qui mérite un timbre spécial parce qu'il témoigne la détermination et l'engagement du gouvernement provincial. Ils devront donc être entretenus pour qu'ils profitent dès lors aux générations présentes et futures. Réfectionner une route et la rénover, c'est tout simplement faciliter la fluidité du trafic. Et puisque nous sommes sur une route, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. C'est sur ces mots que je reçois les ouvrages réalisés au niveau de Majengo Vision 2020 et à Kitoku en ville de Goma. Je vous remercie. Des remises et reprises entre l'entreprise NET et le gouvernement provincial, tel que vous venez de le suivre à travers les directeurs des cabinets de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Maintenant, nous allons assister à l'échange et des signataires entre son Excellence Monsieur le Gouverneur des Provinces, le Lieutenant Général Dima Kogwa Constant et Monsieur Charles, le DG de l'entreprise NET. Sous vos applaudissements, bien sûr. Je suis très heureux, Mikonafura Kubwa, ensemble avec vous, la population, pamoja na nini wakaaji, surtout du territoire de Niragongo, nini raia ya Niragongo, et plus précisément à cet endroit de Vision 2020. Sana sana nini ambao mnaka mahali hapa ambao wanaita Vision 2020. Il y a un moment que vous étiez tourmenté par la saturation de cette eau. Kuna wakati ambao mlisumbuka sana na maji ambayo ilikuwa ikijaa mahali hapa mvua inaponyesha. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas
vous laisser dans cet état. Na gisi munajua sisi kama viongozi hatuwezi kuacha kwa hali kama huu. En décrétant cet état de siège, na wakati raisi aliweza kutuma sisi wajeshi tuje tukaongoze jimbo, le président de la République et commandant suprême de nos forces armées, raisi wa nchi ambaye ni yeye mkuu wa majeshi, en décrétant cet état de siège, alipo tangaza uongozi kwa majeshi, et en notre qualité de gouverneur de province, na sisi kama vile liwali wa jimbo, nous devions voir les opérations et aussi continuer la construction de notre province. Tunapaswa kuongoza vita na majeshi pia tunaendelea ujenzi wa jimbo yetu. Donc les opérations doivent rimer aussi avec le développement. Ni kusema mapambano ya jeshi huko kwa shamba la vita itatembea pamoja na maendeleo. Nous en profitons pour remercier sincèrement son excellence monsieur le président de la République. Tunafaidika na mwanya huu ili tuweze kumshukuru kabisa na moyo wote rais wa nchi yetu. Et pour les travaux de la province, na kwa ajili ya kazi ya maendeleo ya jimbo, le fonds d'investissement qui va tomber entre nos mains, pesa inayokuja kwa ajili ya ujenzi itakayotufikia, la population du Nord Kivu doit voir l'exécution à travers l'exécution des travaux à travers leur province. Raia ya jimbo ya Kivu ya kaskazini wanapaswa kuona kazi ambazo hizo pesa inakuwa ikitenda mahali pote katika jimbo letu. Pour nous, tout projet de la province ne doit pas s'arrêter et nous allons continuer jusqu'à la fin de l'état de siège. Ni kusema ya kwamba kwetu sisi kazi ya maendeleo na ujenzi wa jimbo haitakoma mpaka gisi tutafikaka mwisho ya hii ambao wanaita état de siège. Tutaendelea kujenga na kufanya maendeleo ya jimbo. Vous avez entendu ici dire que certains de notre population a dû même abandonner leurs habitations à cause de l'eau qui stagnait ici. Mulisikia wakati walisoma hotuba hapa walisema kwamba wamoja katika wakaaji mahali hapa walikimbia hata nyumba zao kwa ajili ya maji ilikuwa ikijaa hapa nikeingia hata katika nyumba zao. À partir de maintenant, cela doit être dans le mauvais souvenir passé. Toka sahi, hiyo jambo, hiyo shida, tunayaweka katika makumbukumbu chafu wala mbaya ya siku zilizopita hazitatendeka tena. Ces ouvrages vous appartiennent. Hii kazi ya barabara nzuri tunatengeneza hapa ni ya kwenu, ni kwa ajili yenu. Je vous prie, je vous demande, chers frères et sœurs, de porter, donc de garder en bon état cet ouvrage. Na wasi, na wabembeleza, kaka, dada, mama, na baba, muyachunge vizuri. J'exhorte aussi les autorités locales de veiller à ce que les déchets solides ne soient pas jetés dans les caniveaux. Na omba pia viongozi wa mahali hapa waweze kukeshea ili ya kwamba vuchafu wasikuwe wanayatupa ndani ya nafasi ambapo maji yanapaswa kutiririkia. Donc nous tous nous devons veiller sur cet ouvrage. Ni kusema sote tunapaswa kukesha ili hii kazi tunatendeka hapa ichungwe vizuri. Après ici nous allons aussi inaugurer le caniveau au niveau de l'eau qui s'aillait de Kituku. Kutoka hapa tutaenda pia Kituku ili tuende kufungua pia barabara kama hapa tulitenda pia kazi saa ile tunatenda mahali hapa. Je vous annonce aussi que les travaux de rond-point Chukutu s'avance normalement et très bien. Na wapasha pia ya kwamba hiyo kazi tuliweza kuzindua ya kuweka pia mapave kutoka kule kustade volka kuvuka rokwe Chukutu kushuka mpaka kulaki inaendelea vizuri. Ce n'est pas seulement la ville de Goma qui est concernée, mais nous sommes allés à Butembo pour asphalter une avenue. Et d'ici là, nous allons aussi entamer la route Beni-Mangina pour donner l'alternative à l'insécurité qui s'abat sur la route d'Irengeti Komanda. Haiko tu muji wa Goma ndio inahusika na hizi kazi za maendeleo, lakini tulienda pia Butembo kwenda kuanzisha kazi ya kuweka Kabulembo kwa barabara moja huko Butembo na pia huko Beni pia barabara
kuanzisha ili tuweze kukomesha ukosefu ya usalama inayokuwa mahali inakumba hiyo mahali na watu wachambazi watu wabaya wanakuwa kushambulia raia huko. C'est sur cette tronçon que votre armée est aujourd'hui à l'œuvre. Na hiyo njia ambayo nawatajia ya komanda na mangina ndipo jeshi lenu iko inawapika machambazi. Le tronçon Butembo Mangurujipa est praticable aujourd'hui. Barabara ya kutokea Butembo kuelekea Mangurujipa nayo tumeyatengeneza inakuwa wazi leo. Mshangilie kwa makofi. De Butembo à Mangurujipa, vous pouvez en faire en moins de temps parcourant 90 ou 100 km aller-retour sans problème. Leo hii, unaweza kutoka Butembo naenda Mangurujipa, kwenda na kurudia. Hiyo barabara ina kilomita karibu 90 wala 100 ma kilomita, lakini unaweza kwenda siku hiyo siku unarudia na unafika hapa siko shida. Je suis très touché par l'enclavement de Walikale. Mina sumbuka sana kuona namna gani hiyo mtaa wa Walikale inakosa njia ya barabara. Au courant de la semaine prochaine, je descends à Walikale pour chercher les voies et moyens pour commencer à faire quelque chose pour donner l'accès à Walikale. Wiki ijayo mimi mwenyewe nda teremuka Walikale ili niende kutazama namna gani tutapasua njia ili barabara ya Walikale nayo iwe wazi kama zingine. Merci mes frères et sœurs, un petit mot, je lance officiellement l'ouverture de ces trafics au bénéfice de la population et je vous remercie. Asante baba na mama kwa neno fupi, mimi mwenyewe nafungua na zindua kupita serikali ya hii barabara mahali hapa ni kusema na waruhusu muweze kuyatumia. Réalisé par l'entreprise ONU Engineering Technology Net en sigle à Kifuku, en commune de Goma et à Majongo, au niveau de Vision 2020, en territoire de Niragongo. L'an 2021, le 30e jour du mois de septembre, je sous-signé, lieutenant général Dima Constant Comba. Agissant en qualité de gouverneur de province de Nord Kivu et maître des ouvrages réalisés à Majongo au niveau de Vision 2020 et à la bifurcation entre marché Kitoukou, Université La Sapienza. Pour le parti des travaux, faisant l'objet de deux contrats de travaux signés respectivement en date de 25-26 juin 2021, entre le lieutenant général Dima Komba Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu, et l'ingénieur Charles Nekesi, directeur technique de l'entreprise New Engineering Technology SRL, procède à la réception en présence de l'entrepreneur CEO identifié et le maître d'ouvrage Dimo désigné dans le contrat de travaux. Cette réception est prononcée avec les réserves renseignées dans le procès verbal de réception technique du 27 septembre 2021. L'entrepreneur livrera ses réserves dans un délai de 2 semaines à dater de ce jour et le maître de l'ouvrage lui donnera acte par annotation d'un procès verbal de lever des 10 réserves. Imprimé en 2 exemplaires, le présent procès-verbal est approuvé par les 2 parties dont le nom et signature ci-dessous font foi. Fait à Goma au jour, mois et an que déçu. Pour la province du Nord Kivu, le lieutenant général Dima
Comba Constant, gouverneur de province. Et pour l'entreprise New Engineering Technology, ingénieur Charles Ndekezi, directeur technique. Je vous remercie. Merci, messieurs les directeurs de cabinet. Nous voulons...